Les potes, petit réveil matinal assez dur, faut le dire. Donc voilà, aujourd'hui journée détente. Oui, petite journée détente. Je vais pas sortir, je vais rien faire aujourd'hui en fait. Je vais être en Skype, je vais regarder des films. Peut-être que je vous dirai les films que je vais regarder. Et puis ce soir, je vais voir le match des Belges. Et c'est tout. Douche finie. Puis maintenant, on part pour quoi? Un brossage de dents. Puis on va aller un peu dans ma chambre, on va faire on va jouer un peu à FIFA, tiens, bonne idée. Je sais pas si j'arriverai à filmer avec mon téléphone, mais comment je pourrais faire? Oui, je vais déposer mon téléphone à côté, pardon, téléphoner mon téléphone à côté comme ça. Et puis ça va être filmé de l'autre côté. Et voilà, et je vais vous montrer un match à FIFA en ligne. En ligne, voilà. Mais sauf que je mettrai en accélération, je pense, vu que voilà quoi. Ouais, re les potes, donc voilà, je vais faire un petit match à FIFA. Regardez aussi, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. C'est que là, c'est mon écran de base. Vous voyez, mon petit écran de base, il est là. Mais vu que quand j'ai envie de jouer dans mon lit qui est là, ma manette est trop courte pour que j'aille jusque là-bas, parce que c'est une manette à fil, vu que c'est sur PC. Alors, regardez ce que j'ai fait. J'ai pris ma télé. Voilà, j'ai pris ma télé. Et j'ai raccordé la télé avec ce câble. Enfin, un câble HDMI, je sais pas quoi. Et puis voilà, merci. Ah ben ouais, Origin arrive. Voilà, j'ai FIFA 16, édition Deluxe, c'est le gros. On va le lancer. Ouais, donc voilà, désolé, je sais pas frérot, je sais pas faire autrement. Donc, enfin voilà. Attendez, je prends mon câble, voilà. C'est bon, on est parti. Vais essayer de vous mettre ça. Voilà. Non. Attendez, il faut que je trouve un truc. Donc ben voilà. Ce qu'on va faire, on va faire un petit match en Ultimate Team, c'est-à-dire en ligne. Jouer Ultimate Team. Ah, ben, je vous montre un peu mes joueurs comme ça. Match. Voilà. Modifier la compo. Donc voilà, niveau gardien, on a Courtois, puis niveau défense, on a Vermaelen, Kompany, Alderweireld, Vertonghen, je sais pas dire les noms. Puis là, on a le petit Dries Mertens, N'Golan, De Bruyne et Miralas. Puis là, il y en a Wayne Rooney avec Higuain. Puis niveau défense, on a qui? On a Piqué, Robben, Axel Witsel, Carrasco, Batshuayi, je sais pas comment il s'appelle lui, Lukaku, Bodin. Puis lui c'est qui lui? Nani je pense, non, si, je sais plus. Puis on a Benteke, on a Origi, on a Hulk et on a Schweinsteiger, je sais pas quoi, voilà. Donc je pense qu'on va gagner ce match, hein. On est parti, hein. Mais oui, regardez-moi ce but exceptionnel que je viens de mettre, vraiment. Si vous arrivez à faire ça, bah, vous êtes des dieux, quoi. Regardez ça. Boum. Oui, merci, merci, je sais, merci Dries Mertens. Et je me ramasse un 3-0 dans la gueule. C'est chiant. Ouais, les gars, on se retrouve. Donc voilà, ce que j'avais pensé à faire, c'est que comme ce soir, c'est Belgique-Pays de Galles, pourquoi pas faire un Belgique-Pays de Galles et les pronostics, enfin voilà, comme ça on a notre pronostic pour le soir. Voilà. On est prêt. Pays de Galles. Attendez, je vais voir ma gestion d'équipe par contre. Voilà, compo fini. Paramètres de jeu. Ah bah oui, parce que sinon ça va être trop simple. Je mets le match combien de temps? 5 minutes. Et je vais le mettre en semi-pro. Voilà. Je vais le match. Bon allez, bon match. Hein. Voilà. Belgique, Pays de Galles. On se retrouve enfin pour le match. Non, rien. Le petit arbitre, l'arbitre du match, monsieur Liam Keener, un bel arbitre, à vrai dire. Je ne le connais pas, mais bon. Voilà, début du jeu, c'est parti. Mais oui, un premier but de la Belgique à la 29e minute de jeu. Oh là, très joli but de qui? Kevin De Bruyne. Il fait la passe à Lukaku, qui est devant. Il est devant, il tire, reprise de. Oh là 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 là, De Bruyne, finition de De Bruyne. Joli, très très joli De Bruyne. Mais regardez-moi ça à 44e minute de jeu.
Oh là là, De Bruyne. Et ce soir, les gars, regardez bien De Bruyne, hein, il est chaud. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Hein. Il part tout seul, il avance, il tire hors de la surface, piqué rentrant. Que dire de mieux? Boum. Allez, ce soir, les gars, 2-0 déjà avant la mi-temps. De Bruyne, ça va être déjà bien. Et voilà. Premier but de Pays de Galles. Donc, c'est Joe Allen ce soir. On en fait gaffe, les gars. On fait gaffe de Joe Allen ce soir. Mais c'est pas possible, hein. Kevin De Bruyne. Qu'est-ce qu'il lui prend aujourd'hui? Il met le 3-1 à la 82e minute de jeu. Oh là 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 là. Belle action. Plus Lukaku qui passe en profondeur. Il est parti. Il est parti, De Bruyne. Et c'est le but. But de De Bruyne. Voilà, le gardien ne sait pas quoi faire. Et voilà le match qui se finit à l'instant. Victoire des Belges 3-1. Donc ce soir, les gars, on sait qui va gagner. Un beau triplé de De Bruyne, l'homme du match. Donc voilà, j'espère que la Belgique va gagner ce soir. But de 3 buts de De Bruyne. Et Joey Allen, lui, il faut faire gaffe ce soir. Et j'avais oublié aussi Gareth Bale aussi, dans le pays de Galles. Donc ça va être chaud ça aussi. Bref, sur ce, voilà. Bon, voilà, c'est la fin du vlog. Il n'y avait pas grand-chose à faire aujourd'hui. J'ai fait deux, trois petits matchs à FIFA. Et le match aussi Belgique-Pays de Galles, 3-1. Donc ça veut dire que la Belgique va gagner 3-1 ce soir, vu que je suis sponsorisé avec les Diables Rouges. Enfin voilà, je vous dirais, je déconne. Donc voilà, j'espère que la Belgique va gagner ce soir. Et on est tous avec la Belgique, hein, voilà, les gars. Par contre, ce soir, il y a Gareth Bale. Ça va être chaud. Vraiment très 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 chaud avec lui. Et ben voilà. Bon, maintenant je vous dis à demain pour une prochain vlog. Et demain c'est Hugo qui vlog, ce sera pas moi. Donc ciao ciao.